Et salut à toutes et à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, la survie vanilla. Et aujourd'hui les gars, nous allons nous intéresser aux océans, car aujourd'hui c'est une vidéo spéciale découverte des océans. Aujourd'hui nous allons explorer les fonds marins. Je pense que ce sera en deux parties parce qu'il y a moyen de faire quand même de découvrir pas mal de trucs. Donc on, je vous propose qu'on commence immédiatement. Je me suis équipée, je suis préparée. Et donc on va essayer de découvrir un petit peu les fonds marins. Alors déjà je vous propose qu'on passe un petit peu le rivage, parce qu'au rivage ça m'étonnerait qu'on trouve des trucs. Ah ouais, il y a déjà un truc là. Il y a une ruine sous-marine. Ouais, c'est intéressant ça. On va aller regarder ça. Avec une épave de bateau. Bon, je crois que l'épave de bateau, par contre, je l'ai déjà prise. Alors, regardez ça tout de suite. Ah. Faut que je fasse gaffe aux drouettes, parce que je crois qu'ils vont spawner. Alors j'ai la grâce du dauphin, c'est quoi ça? À quoi ça sert la grâce du dolphin grâce? Bon alors toi, on va aller se débarrasser de ce petit gars là. Oh, j'arrive pas à viser. Non, pourquoi je suis attiré dans le fond? Ah bah c'est à cause des trucs. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Alors on a... Ouh, Loyalty 3 pour un trident. Ça peut être vachement intéressant. Faudrait qu'on trouve un... Oups. Faudrait qu'on en trouve un comment ça s'appelle? Un drawed là avec un... Avec un... Un trident. Et il faudrait qu'il arrive à le dropper. Ça pourrait être intéressant. Bon, sinon, je colle 3 morceaux de pain, 2 golden nuggets. Et du charbon. Bon, c'est pas non plus. Par contre, ça, non. Je m'en fiche. Ça. On n'a pas trouvé pour l'instant énormément de trucs. Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, voilà. On va aller voir l'épave de bateau, du coup, parce qu'on n'est pas allé voir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, du papier. Une bureau de treasure map, un livre ici. Hop, hop, hop. Alors. Hop, hop, hop. Où est le coffre à trésor? Ah, il est là. Ouh, 3 émeraudes, les gars. Du diamant, des iron nuggets et du fer. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Intéressant tout ça. Alors je crois qu'il reste encore un coffre. Mais où il est? Là, la question que je me pose, je crois qu'il est là. Ouais, voilà. Ok, alors des citrouilles, du papier, de la rotten flèche, des curses. Oh, suspicious. Ouh, une... Une... Comment ça s'appelle? Ah, une soupe de fleurs. Ouais, ça peut être intéressant, ça. C'est pas très intéressant. Alors, il va faire nuit. Il va faire nuit. Hop, du coup, on va continuer à explorer. Parce qu'on a pour l'instant trouvé quand même pas mal de trucs. Hein. Alors. Ah, attendez, la bulle est trésor map. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah, on est quand même loin. On va essayer de continuer par là. Alors là, il y a un truc là, dans l'eau qui brille. Ouais, là, il y a un truc. Alors, on va coster ici. Ok, un drawhead. Ah, t'es souhaité. Alors, il y a 2 drawheads. Ah, pas des tridents, 3 ou 4. Oula, dis donc, c'est qu'ils sont armés, ils sont prêts là. Il m'a droppé un lingot d'or et puis son... Oh, il m'a droppé son Nautilus. Bon, malheureusement, dans tout cela, il n'y a pas un qui a un trident, quoi. Ah,
Ah, ils sont quand même puissants, ils font mal, hein, je crois, quand même, s'ils tapent. Je vais essayer en fait, de faire en sorte qu'ils me tapent pas. Bon, la petite ruine, elle est là, du coup, c'est bon, je l'ai. Allez, hop, on y va. Bon, c'est une toute petite, celle-là, elle est pas bien grande. Le coffre est là, du charbon et une canne à pêche lure 1. Alors, je sais pas c'est quoi lure comme effet. Hop. Bon, du coup, on a déjà trouvé pas mal de trucs. On explore le fond des océans, les gars. On explore. Il y a encore un truc là, je crois. Non, ce n'est pas. J'ai resté une route sous-marine. Bon, je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, si, là, il y a un beau bateau. Bah, celui-là, il est beau, c'est le cas de le dire. Hein. Franchement, il est pas mal du tout, celui-là. Ouh, regardez, il y a même une ruine sous-marine là-bas. Ouh, elle est grosse, celle-là, par contre. Ah ouais, elle est quand même... Bon alors... Bah, ce bateau, il est quand même... Franchement, il est plutôt en bon état. Alors, premièrement... La caverne du capitaine. Ouf, tout ce qu'il y a. Oh, oh. Non. Je me suis fait avoir par le temps. Ouf. Il y a pas mal de ruines sous-marines là-bas. On va aller voir ça aussi parce que franchement c'est intéressant. On va manger un bout. On va repartir sur le bateau. Parce que le bateau on l'a pas terminé. Hein. Ah, il faudrait que je régène encore un petit peu là. Ouais, parfait, ça suffit. Hop. C'est le jeu le plus important, juste ce que je voulais. Hein. Oh oui, parfait. Hop, hop, du papier. Une autre carte au trésor. Pour changer une carte au trésor, je pense pas qu'on va se les faire. Ah, là, il y a un truc. Ah ouais, des patates empoisonnées. Ça, c'est bien, c'est nul, en fait. Je sais pas pourquoi je dis « oh ouais ». On va repartir là. Prendre un petit peu de respiration. Et là, on va repartir. Le bateau. Ok, on a déjà trouvé pas mal de trucs. Bon, il y a des trucs, franchement. Oh 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 oh, toi tu vas. Ah, c'est bête, tu peux pas m'atteindre là. Ah, ça nouille. Ah, c'est bête. Bon, alors, on va quand même se le faire. Mais on peut dropper des trucs intéressants. Ouais, non, il va pas dropper. Non, on a quand même une autre shell, c'est bien ça. On pourra peut-être se faire un conduit plus tard. Quand on en aura pas mal. Bon alors, déjà, je vais faire un petit peu le tri, parce que là, Curse of Vanishing, c'est nul, ça sert à rien, en plus c'est du cuir. Mince, par contre, je l'ai jeté. Je l'ai pas jeté. Reviens là, voilà. Ça ne servira pas à grand-chose, ça. Curse of Vanishing, donc regardez, on va se faire ensemble le Curse of Vanishing. Protection et Blast Protection. Intéressant. Qu'est-ce que tu fais avec une épée en fer, toi? Donne-moi ton épée en fer. Ah non, il m'a pas donné, tant pis. Bien. Alors là, on va s'attaquer au gros truc, parce que là, à ce que je vois, il y a quand même deux ruines sous-marines. Deux. Trois là-bas. Quatre. Ah ouais, il y en a pas mal. Bon. Allez, on va s'attaquer au gros pactole, là, en espérant qu'on trouve des bons trésors. Ok, le coffre est là. On va remonter à la surface histoire de reprendre un peu d'air. Ok. Et franchement, c'est hard hein, d'explorer les profondeurs. Hop. Allez, faut qu'on ait des trucs bien dans le coffre, s'il vous plaît. Du charbon, une carte au trésor. Pas grand chose là pour l'instant. Hein. C'est pas ouf ça. Hop, du coup, on va passer à la suivante. On va passer à celle-là là. Un truc bien. Purée, il est sous un
Un gravier. Oh, rien. Franchement, nul. Et pas grand chose. Où est mon bateau? Il est là-bas, mon bateau. Je vais chercher. Hop. Hop. Et maintenant. 4, 5. Il y en a encore une là-bas, je l'avais pas vu. On va stocker. À la plus petite d'abord. Eh, franchement, il n'y a rien là. Y a rien dans celle-là ou quoi? J'ai pas rêvé, il n'y avait pas de coffre. Purée, je fais pas gaffe à mes bulles à chaque fois. Ça me gêne. Il n'y a rien. Ah si. Du charbon. Une breaking. Je peux pas si la gameplay, on s'en fout. Une petite canne à pêche, une breaking. Bon. Alors là par contre, on va stacker la grosse ruine. Après celle-là. Elle est bizarre celle-là. Allez hop. Le petit coffre, où est-il? Où est le coffre? Je le trouve pas là. Je trouve qu'il n'y en a pas tout simplement. Oh, ce serait dommage. Ce serait fort dommage. Ouh, du prismarine. Ouh, c'est intéressant tout ça, dis donc. Du prismarine. Alors attendez, par contre. J'ai plein de trucs qui me servent à rien et que j'ai récupéré. Les cartes au trésor, on va pas tous se les faire, je pense. Je vais quand même les garder parce que ça peut être intéressant. Je ferai une vidéo chasse au trésor. La plume, on en a plein. Les patates empoisonnées, ça sert à rien. J'ai des trucs bien après, je sais pas trop me débarrasser là. Je suis déçue, il n'y a pas là de... Okay, on peut récupérer de l'air avec ça en tout cas. Ouais, il n'y en a pas. Ah bah enfin, des drawheads, j'en cherchais. Non. Ok. Alors par contre, j'ai peut-être une petite technique si je mets ça. Ok, non, j'aurais pas dû faire ça. Ok, parfait, le prismarine est là. On va le récupérer. Voilà, parfait, du prismarine. On veut des bulles. Ouais, y
y a pas le coffre. Hein. Ah si là. Bon, franchement, s'il serait là, ce serait pas de bol. Non, il est pas là. Je pense qu'il y a tout simplement pas de coffre en fait. Pas pour cette ruine. On va aller voir de ce côté-là. Je pense que j'ai perdu mon temps plus qu'autre chose. Ouais. Là, il y a un coffre. Allez, pitié, on espère du bon loot. S'il vous plaît. On va espérer. On espère. Allez, hop, s'il vous plaît. Ok, on n'a plus qu'à voir sur la canne à pêche que pour l'instant, c'est pas top. Lure 1, on a... J'ai plus de place. Dommage. Bon, et ben, je pense que du coup, n'empêche, on va se laisser là parce que... On aura déjà bien exploré les océans. Je vais refaire une petite vidéo dessus parce que franchement, c'est intéressant quand même. Franchement. Moi, j'aime bien. J'aime bien. La pumpkin, j'en ai pas besoin. Je vais plutôt prendre un coffre à la place. Et moi, je vous dis à tout de suite. Oui, à tout de suite pour moi. Et moi, je vous dis à plus. Sinon, pour vous, ça sera pour une prochaine vidéo. Ciao.